Là, nous ne pouvons pas laisser ça, nous ne pouvons pas faire rien pour moi. Pour me quitter là déjà, qu'est-ce que nous pouvons faire pour moi là? Petit moi m'a pensé. Après ça, qu'est-ce que. Petit moi m'a pensé. Petit moi chez Lilié. Avec maman, parce que je ne suis pas maman. Maman est dominicaine. Tout Haïti depuis la trouvée mandée en 2010. Je vis au Chili, je fais 4 ans au Chili, je fais rester en Saint-Domingue. Après ça, je viens chercher la vie, je travaille. Beaucoup de gens jouent nos familles, mais je n'ai pas la vie. C'est moi qui ai tout comme moi. Ouais, le moment là, je me déporte là. Sans coup de couteau, je me prends, je me sens que toute vie est finie. Je me suis dit que j'ai acheté quand même au Chili, je me suis crasé pour mal au pays comme ça. Après ça, je me crasé tout 4 mois net. Quand même, je me crasé parce que je me suis regardé dans cette situation là. Est-ce que ma vie va encore? J'aime te vivre là. Adjust me. Non, prends outrage ça pour aller dans le pays tonton Sam. C'est un rêve en pile haïtien pareil, moi. Mais faut me dire, malheureusement, après tout temps ça en bas pour Texas, yo finalement, ouais, yo en Haïti. Faut me dire, bagay là, li effectivement grave. Après humiliation ça, yo saute prend sous frontière Texas. Gouvernement haïtien vient humilier moun sa yo la, yon l'autre fois encore. M'bral bon détail yo, mais m'ap mande, on prend pour un petit temps, m'bral explique ou sa k passe ya. Abonne avec Chanel la, c'est seule façon ou capable prouver que ou remè sa m'a fait ya, ou vle encourager tout bon vrai pour Chanel la, vansé pour pidou van. Bonjour, bonsoir tout moun, comment nous yé? Te gen en pile moun qui te choisi, prend outrage ça. Nan outrage ya, gen en pile la dan yo qui déjà réussi. Mais parfois, gen qui pas réussi, kon sa gen qui réussi, mais réussite la li kite yon stress en dan qui pas gen guérison. Parce qu'on d'accord avec philosophie qui gen embarrage ya, gen moun qui pas konnen, c'est là yo prend, yo konnen. Est-ce qu'on te konnen embarrage ça? Gen en pile jeune garçon jounen jodi ak pas vierge encore? Ah, ça me dit à étonné parce que gon paquet voix ou sanguiné, yo kon enfroagé le en bas en blanc rage ya, le nèg la rive sou li armé, vous comprenez ou obligé obéir. Gen en pile mesdames tout qui ont violé embarrage si là. Agala vraiment grave. Mais gen moun ki pat konn sa tande, gon ti route là debout passer là dans le debout résistant dans marché, ou ap rive, ou bon ou ap découvri pays tonton Sam tout moun te pote bourré, yo pat konn philosophie ya. C'est vrai gen en pile zanmi ki fait route ça, jounen jodi ya en pile moun ap konn réalité ya, vie avec déportation massive si là. Zanmi mwen yo arrivé en bas pont Texas, sous frontière Texas là, m'ap gade façon agent frontalier, y ap calé haïtien pareil nou. Yo, faut ta dire ti moun k'ap fè des autres doit taper sous domaine pour dire non, pas faire ça, quitter ça, tande lèm bala avò. Mes amis baga la vraiment grave. Et m'ap gade yon jeune garçon haïtien kote yo mare li nek ki sou cheval, ajan fout aller sou cheval, vous comprenez, y'ap marche avec misé nan miton la ri. Mes amis, ki ont ça encore en plein 21e siècle. On a regardé non, façon moun yo comprendre ajan sa yo t'ap maltraité haïtien sa yo.
Magine dégue dans David. Non, mais c'est mes gars pour voir. Tu mets ton poids de la table. Abandonné pays au Haïti depuis plusieurs années pour chercher la vie mieux dans pays Chili et Brésil. Compatriotes qui t'a tenté rentrer dans pays des États-Unis sans papier. A expliqué mes péripéties au passé avant d'être tombé en bas main agent immigration dans l'État Texas. Je suis sorti du Brésil. De Brésil, je fais ticket machine pour Bolivie. De Bolivie, je prends pour Pérou. De Pérou, je prends pour Équateur. Parce que son route qui presque dit 3 mois sans dormir. La route là, c'est une machine liée, c'est passé par Bolivie, Pérou, avec Colombie, tout pays là. Pour entrer à Panama, mais ce côté route là qui est pour le madame, c'est forêt. Dans la forêt, on va passer dans de l'eau. Et là qui est pour le mout, ça va être les routes mortelles. C'est-à-dire qu'on passe là où vivre, où sont les routes. Et on va regarder où ça. Pour route là, pour faire aller, c'est 10 000 $ américains. En tout,
Pas de tout non, mettez le 10 000 dollars environ, quand même plus. Nous-mêmes, nous victimes, nous arrivons dans le pays, nous voyons nous retourner, mais il y a des gens qui n'ont pas une chance de vivre. Depuis la route, nous mourons, nous avons de beauté, nous avons des vols avec tout. Ça veut dire que nous passons une situation qui est mal en pile. Moi-même, avec madame, ma petite, mais pour me sortir de Chili, pour rester aujourd'hui, je suis de Chili 17 juillet. De Chili avec 12 pays, ça me dit que l'argent américain me dépense des pays tellement j'ai. Et il y a des pays nous arrivent, ils ont même dit nous n'avons pas de pays, nous pas de président, nous même encore nous tous les présidents. Moi-même, je ne suis pas tué dans le bon monde, je ne sais pas avec eux. Ça, j'ai des gens qui veulent dire la vie, si vous avez des gens qui veulent dire la vie, vous avez des gens qui roulent, des gens qui marchent à voir, les manger au fini, ils tombent depuis qu'ils mourent dans la figure, des gens qui dorment en battant, la femme enceinte qui pas lever. Il y a des femmes qui accouchent en barrage avec manchette, ils ont coupé l'ombre de tout le monde pour faire continuer. À manchette. Parce que chaque nègre obligé à son manche dans la pour couper blanche pour passer. Il y a des femmes qui sont tranchées à manche pour couper l'ombre pour continuer. Je dénonce tout, mauvais traitement, je subi en bas mes autorités pays des États-Unis. Amérique, c'est le plus gros l'ennemi haïtien. Parce que les nous arrivons, nous avons un petit cap, il y a fermé nous. Moi, depuis mardi, Amérique, il y a fermé. Il y a un côté, il y a fermé nos chambres frises. Nous, nous avons des chasseurs. Nous avons des petits papiers qui éclairent, qui nous mettent sous gâteau. C'est lié à nous pour nous couvrir. Chambre, vous avez le droit de sortir là-dedans. Vous portez brosse, vous portez parfum. Vous prenez tout, vous portez rad. Vous achetez belle rad. Vous prenez tout, vous jetez. Je ne sais pas si vous jetez, vous jetez. Parce que le peuple, ça, son peuple, qui est vraiment méchant. Vous n'avez pas le droit. Attention, vous n'avez pas le bon droit pour brosser, mes amis. Il y a un pays qui dit celle qui gagne puissance. Qui veut faire la loi dans le monde là. Ou pas bon droit même pour me brosser tandis que je ne vais pas faire un crime. Je ne sais pas si l'aime jambe illégal dans le pays. Si c'est un crime, je dois prendre toute punition. Je fais 6 jours. Jamais baigner, jamais brosser. Et ça qui fait nous mal, là, nous arrivons pour nous déporter, nous mettons nous en côté, nous faisons 5 jours, dans nous ne pas brosser, nous ne pas faire toilette, nous ne pas faire rien, après ça, nous prenons nous déporter nous. Li vraiment l'aide, c'est seulement haïtien, yon mette dans la constitution ça. Oui, yon pas considéré nous comme moun. Là nous vivons Texas, la constitution compliqué parce que moun yon vient en foule. Nèg yon son équipe vieux bout de minute, ou bout de fer, ou gandan, pour yon minute moun, bay dialogue, bat moun, bat mesdames, yon bat si moun, jusqu'à ce que yon vienne nage nous la même. C'est illégal, façon gouvernement américain dépoté yon, jete toute responsabilité à sous de l'état haïtien. Pas de yon pays dans le monde, yon pour passer une lettre de déportation pour les déporter. L'État ici aussi a une déportation pour nous, nous-mêmes ça nous ne connaissons pas. Il y a aussi une déportation pour nous parce qu'on va pas nous lettre de déportation. Est-ce que c'est l'autorité américaine qui dit nous ça? Non. Il y a fait dossier pour nous, il va libérer nous, il dit nous, il va mener nous à la famille, nous, Florida, pendant nous-mêmes nous à Haïti. Ça n'a pas jamais qu'on fait. Il prend nous et mettez nous en ambiance à 3h du matin, dans ce qui a mené nous à une famille, nous prenons contact toute famille, nous, les États-Unis. Bisso passe par derrière nous, un coin. Là, il vient dans le coin, il appel, il m'a dit est-ce qu'il met entré. Nous sommes des Espagnols, nous sommes des Anglais. Je dis, il met entré, quand il y a un exil qui fait signe avec eux, venir, arriver, c'est minoter les gens, bourrader les gens, whisky les gens, bourrer les gens dans l'avion, mais ce n'est pas dans la barrière. Tant que j'ai dit, la barrière principale, là, il passe pas derrière, il passe. Et nous entrons dans la coin, et seuls nous-mêmes, comme les gens, nous importent. Est-ce que ça existe? Comme ça, ça me dit. Et parce que nous n'avons pas de dirigeants, si nous avons des dirigeants, gens de déportation, ça va être fait. Il va être fait comme ça. Malgré le gouvernement haïtien promettre pour accompagner yo, quelques migrants yo pas entendre rester dans le pays d'Haïti. Cela yo fait qu'on est, y a tourné dans le pays Chili et Brésil. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massia Louvigne pour la Voix de l'Amérique. Normalement son expérience qui bon, m'pa pral di ki mal non parce que dans la vie on toujours supposé essayer. Mais par rapport avec misère, on sait des monde qui passent pour arriver dans phase ça là et puis qui prend échec ça est vraiment dur ou ça me dit là parce que non seulement c'est pas tout le monde qui gagne même recours, gagne monde là connaît qui prend et frappe ça là qui pas ca récupérer encore. Par rapport avec yo pas arrêter ressources encore. Vous comprenez? Et ceci gagne qui gagne un nombre de temps qui pas dans pays là et gagne dans pays côté théâtre yo pas de papier et qui vient là qui pas ca retourner ou ça me dit là qui est différent à moi-même et bon son c'est qui situation était ou même c'est même toujours même situation c'est son série de monde qui pile territoire américain d'une manière illégale ou qu'on est debout piler un territoire illégal normalement ou est en violer loi et mettre fort violer loi avant ou était qu'on quitte au passé mais dans moment par rapport avec quantité monde qui fait dans moment
yo vinn commencer à poser six déportations. Et ceci moun sa yo yo kembo nan prison pendant environ 8 jours. 8 jours après presque sans bain. Toutes mesdames yo kembo sans bain en dans prison. Ni bain ni brossé, bagage sa moun yo pa fè yo même. Et puis après 8 jours, yo vinn chèche yo nan 2h du matin, yo font lis moun et puis yo meton nan bus, yo men nan aéroport. Et puis exactement, c'est une action inhumain pour moi-même. Et parce que vraiment gen en pile moun, gen moun ki gen accès ki kite Brésil ou bien Chili, yo passe par avion, yo entre Mexique et de Mexique yo fait trajet et konsa tout gen moun c'est yo passe ça ou les forêt Panama. Pour passer forêt Panama son calvaire, des gars dit son calvaire total et ceci les ou récif fin réussi passer forêt ça kounya l'arrivé Mexique qui c'est frontière sous frontière Guatemala à Mexique qui c'est Tapachula qui c'est dans l'état Chiapas pour faire trajet ça encore pour arriver sous frontière Nord États-Unis, ou disons Sud États-Unis, qui est égal à Nord Mexique là, sont véritables péripéties encore parce que immigration, par contre, soit sur ça, bon niveau haïtien arrivé dans Tapachula, c'est caravane qui est obligé de faire. Et ça que les caravanes, les gens qui prennent à pied, ils vont dernier côté immigration crasé. Ça veut dire qu'en pile misère pour les gens qui arrivent dans la phase là. Et je suis là où ils arrivent dans la phase là, pour ces déportations qui viennent jouer nous encore. Ça veut dire qu'ils sont bagailles. Pour moi, moralement, moi-même, on a tout ça l'arrêter au beau fixe malgré ça. Non, grâce à bon Dieu parce que moi tout ça en fait toujours fait plan A plan B. A dit me t'ai plan A c'est entrer, plan B a, c'est pour me connaître comment m'a préparer le tout si me pas rentrer parce que me pas gain visa. Mais combien de temps fait deux au pays d'Haïti là? Et environ me quitte Haïti depuis 2014. Depuis 2014 environ 6 ans quelques mois. Depuis 2014 ou deux au pays là. Mais et, bon, qui sont tirés comme leçon tout. Bon cher, ça me tire comme leçon, sauf que ça apprend moins plus que jamais parce que non seulement si un jeune reste concentré sur Haïti, conseil des barres ou pas jamais qu'à faire, ça veut dire moi-même quitter côté MTA pour me rentrer les États-Unis, c'est pas comme des gars disent, c'est pas pour faire pas bon, c'est pas pour parce que pas de travail, c'est parce que les États-Unis pi près Haïti non sens et tout le monde tourne tout travail ici c'est Canada les États-Unis. Ça dit peu importe tout en n'importe si peu importe gens ça te caer dans mon autant des fois une opportunité pour entrer les États-Unis ou bien Canada, on fait. Bon, ça me dit la peu importe Jean ça ka coûté moi c'est ça que fait me essayer faire ça passe mal mais ça pas veut dire que échec là pas pas recommencer vous comprenez dit avion ça c'est famille celle on voter qui sont c'est mon ati mon c'est madame Marie Timoun moi ma côté gon Timoun avant c'est qui est c'est petit point petit garçon et ça veut dire ou fait parcours là avec petit tout et madame mon t'avant madame là exactement. Non, jusqu'à présent, je ne peux pas dire intégrer la société haïtienne parce que l'aime te quitter, c'est pas de quitter le pays, c'est pas parce que je n'ai pas de cas intégré, c'est parce que je n'ai pas aimé le système non, qui fait choisir, mettre dehors, je chercher en vie qui plus ou moins. Ça me dit là, mais c'est pas parce que je voulais réintégrer, probablement je vais retourner côté de l'IA, ça me dit là. Mais je ne peux pas dire normalement je vais réintégrer. Qui donc, ou après retourner et Chili ou Brésil? Exactement, Chili m'a retourné, exactement. Comment est Chili, Gounia? Chili jusqu'à présent, je ne connais pas. Si vous avez un capable de mal, moi ne capable de le mal. Ben, jusqu'à présent, tout ça m'a comme économie, c'est Chili. Parce que l'aime qui a Haïti, c'était par un qui était bon accès pour me quitter. Et Gounia, malgré toutes les dépenses que je fais pour me faire ça, me là, pour me tourner là encore, si je m'a retourné, je ne pas vraiment. Vous estimez à combien de dépenses ça là? Mon cher, finalement, des fois, vous presque pas ou pas une estimation exacte parce que vraiment, moi-même, pour gen moun qui fait route là à une quantité comme qui minime. Comme ça, tout moi-même, connais ma partie à madame petite moi, mais que me fait route là plus ou moins, elle dit pour me faire trajet qui c'est Chili jusqu'à Panama, m'arrange pour que me gagne au moins $3,000 là même, c'est $3,000 américains. Elle dit de Panama kounya m'utiliser 4 crédits pour me continuer reste parcours parce que dès pour finir de Panama au cas utiliser bon pas même Panama depuis avant tout quand toujours utiliser 4 crédits ou prendre comme sous lui. Elle dit moi même pas une estimation exacte pour me ta dire maintenant mais chaque monde gon dépense différent. On comprend parce que là finir de Tapachula grand monde qui essaie aller au cours de route et immigration pour faire tourner comme ça avait dit. Tant pour moi essayer 3 fois. Mal en première fois, l'argent me dépensé a perdu, me tourner. Me resser en deuxième fois, l'immigration fait me tourner comme ça a perdu. Mais c'est en troisième fois, me rentrer droite, mais qu'on y a me tourner sous sol là encore. Mais ça pas empêcher parce que l'âme dans pays. Ça fait normal pour moi famille, pour me tout profiter tout toute famille après ça pour me relaxer mal continuer. C'est mon cap vivre au prince. Non, c'est mon plateau central.
Moi-même, je suis quitté Haïti pour mal Chili parce que je suis allé chercher un des meilleurs. Un des meilleurs parce que tout jeune Haïti, là, nous te mettons fini études classiques, nous ne pouvons pas faire notre travail pour nous faire. Nous ne pouvons pas faire pour nous faire, c'est dans la rue nous laguons. Et c'est ça qui fait plus de monde dans la rue qui a demandé. Et c'est ça qui fait grand pile de liquidité dans la rue. C'est parce que l'État pays nous pas pensé pour nous. Si on te met de travail, nous ne pouvons pas passer misère dans notre pays. Si on te met au moins factory, mettez de travail pour nous, nous ne pouvons pas en pile. Parce que là, nous arrivons dans le pays, dans notre pays, travail nous pas faire la Haïti, c'est on a le fait. Premièrement, nous mettons en bas pour nous dormir à terre. Nous faisons 4 jours en bas pour envoyer les. Yo allé dans prison avec Texas. Nous fait 5 jours dans prison mais sous ça on va nous donne. Mais moi j'ai gagné 15000 dollars américains pour me faire parcours ça de Brésil à Mystique à Texas. L'agent ça m'était qu'à venir investir, m'était qu'à faire 2-3 mon travail. Il était qu'à faire une grosse entreprise. Mais c'est pas parce que nous pas prendre ça pour nous faire. L'on passer dans l'autre pays, une série de têtes. Vieux monde simplement vous faites des manger. Je n'ai pas gagné 15000 dollars, ça m'a investi dans l'agriculture. Je t'ai essayé au Brésil parce que économiquement, je t'ai gagné au Brésil, je me gâte et puis je t'ai gagné à Haïti tout, je me gâte pour que je complète le problème. Je pensais que je vivais, je t'ai fait un plus bon économique et puis je t'ai gagné des familles. Je t'ai gagné des familles. Et puis tout l'État ici, parce que nous, diaspora, nous investissons pile dans le pays, mais nous n'avons pas de respect. Je suis passé environ. Je suis passé 4 ans dans Chili. 7 novembre, je suis passé 4 ans. Il y a un peu de temps qui continue à sortir et passer par plusieurs pays pour le pays. Il y a un message pour vous. Bon, le message que vous avez pour vous, malheureusement, si vous avez quitté le pays, c'est quitter avec une façon juste légale. Parce que moi-même, je suis sorti illégal. Mais malheureusement, de Chili, ce n'est pas une raison de nous déporter, mais nous sommes obligés de sortir. Mais les 20 ans de pression, Miami, nous sommes tous là, nous sommes dehors. Et pourtant, c'est une déportation qui nous cherche. Bon, m'pense nous wè comment maltraitance lan li teye. Wè nan optique ça, ambassade américaine li pa égaré. Li konn sa la fè. Et bien yo sorti une note là pour dire frontière yo pa l'ouvri. Et moun yo pa doué faire un voyage qui chargé danger comme ça. Migration illégale représente yon menace important ni pour santé ak bien-être communauté yo kap viv sou frontière. Ni pour la vie migrant yo, même et personne pas ta de pren chance si la. Bon, et comme ça, oui, ambassade américaine sorti note ça, après nous connaissons une vidéo très virale que vous trouvez là, dans cadre émission ça, façon de maltraiter haïtien yo en bas pour Texas, vous avez maltraité, vous avez gardé les gens dans le droit, vous avez coup de poing, vous avez coup de. Vous comprenez, ça que vous avez couché, vous la corde, vous avez coup de corde, vous avez la corde vraiment grave. En plein 21e siècle, maintenant c'est balaté comme ça. Et femme dit nous tout, Zamita Haïti Media on yo, suite avec toute humiliation ça. M'bral dit nous bagay là qui vraiment différent par rapport avec ka haïtien yo. Nous connaissons gon bagay dans pays Afghanistan côté gen plus passé 30000 afghans qui a pris refuge dans pays tonton Sam aux États-Unis côté en pile haïtien te gen volonté pas dit volonté non te gen désir pour arriver dans pays ça te obligé prendre outrage ya moun sa yo pas légal vous comprenez c'est moun k'ap couri parce que taliban ou ba au problème y'a tacler yo bon, actuellement là information pas connait l'école ouvre dans pays Afghanistan seul garçon ka aller mesdames pas rien dit tout. Et vous comprenez, nous n'avons pas couru en bas pression taliban, yo al réfugié dans le pays, tonton ça. Mais imaginez, États-Unis, j'aime qu'on entende dirigeants sous à Bolo Chopabo ici, yo souvent abdi États-Unis, c'est meilleur allié, pays d'Haïti est capable de gagner. Et me songe dans l'élection Joe Biden, en pile Haïti était voté Joe Biden, parce qu'ils ont fait déportation comme ça, ni négocier ça comme plan pour résoudre. Et en même temps, des affaires TPS là, ils ont pas changé pour nous faire qu'un monde content comme si ou pral résider dans le pays blanc moun yo. Alors là vraiment drôle mais journée jodi a gen en pile moun la ka di mouche Joe Biden li trahi suite avec déportation massive ça et on connaît à clair parce que fòm dou nèg konnen ki problème pays d'Haïti a konnen nan moment et puis c'est yo choisi même moment ça pour déporter tout moun malgré m konnen gen un paquet autorité nan pays États-Unis k'ap mande avec gouvernement américain dégager comprendre fon camper nan déportation ça parce que li fait Haïti mal en pile et c'est m'ap
bar là pour moun kap di États-Unis c'est les meilleurs amis nous. Tendez bien, m'attendez une déclaration, une non déportée au côté le faire comprendre, c'est vrai côté au fermé, côté t'es arrêté, ou un paquet l'autre nation, colombien, vénézuélien, un paquet moun kite là. Mais c'est haïtien yo plus maltraité dans local là. Nous comprenons ça m'le dire là, c'est plus haïtien oui, y a maltraité pendant ce temps si nous c'est meilleurs alliés avec les États-Unis, n'a pas pensé là, vous comprendre? Parmi dit tu as goûté graisse, on t'a si beau, vous mettez-nous dans en condition pour mieux vivre parce m'a regarder ça au bay moun pour couvrir, ça au bay moun pour ouvrir dans ciment côté tout fait fret. Et vous comprenez, yo dit côté ça li freeze, sous un petit tapis au bay moun yo, oui mes amis. Pays d'Haïti pas mandé tout ça, haïtien pas mandé ça. Vous comprenez ça crède là? Pendant m'a parler de toute humiliation ça yo, gouvernement américain a bay haïtien, ça pire de là. Vous comprenez louga wa en famille lié oui, moun ça yo déporté entrer dans pays d'Haïti là. Non moment m'a pas la voilà. Après te fin de bel discours chef du gouvernement parlant de Ariel Henry te fin bay la comme récompense ou bien façon recevoir moun yo là ou fin recevoir moun yo autant de inscrit non yo nous konn sa gouvernement haïtien fait li longe moun sa yo 1500 ou $300 haïtien pour moun yo aller la kayo. Nous tande de causer pendant ce temps gen moun ki censé dépenser $10,000 pour le faire outrage ça pour être capable atterri dans pays tonton Sam aux États-Unis oui pendant ce temps le rivé là pour yo humilier avec $300 haïtien. Yo pas besoin konnen koto pral, yo pas besoin konnen sou gen famille, yo pas besoin konnen depuis qu'il a quitté territoire ça. Mais seulement yo bo $300 pour capable vider les lieux comme ça bagay la yé. On si bien comprendre dame ça qui me pral fait n'entendé qui t'a parlé qui gen paquet temps depuis dans pays moun yo, comprendre t'ab vivre Chili ou bien Brésil, m'a songé et ben il t'ai prend ti chance là pour te capable traverser à chercher la vie mieux aux États-Unis et ben café à coula ma li rendi dans pays d'Haïti et m'a tande un monsieur qui passe avec toute famille, ça a presque coûté $10,000, vous comprenez? Et quelque oui, si la pensé oui, mes amis bagala très vraiment red. Et gen moun yo fait me comprendre, yo déporté à tout papier légal, gouvernement chilien ou bien brésilien te bayo. Al vraiment important, m'balé trop causé, en a le coûté plutôt façon, moun sa ok yo déporté ou tap passé frustration yo. Depuis que j'ai fait 3 mois depuis que j'étais Chili, depuis que j'ai fait 3 mois depuis que j'étais Chili. Difficulté nous perdit nos routes. Nous violons du monde, qui ont 13 ans pour nous faire avec chose pour nous pas violer. Mais vous dites pas mouvé. Les mouvés Mexique. Nous pouvons aller sous frontière. Immigration pour me tourner. Avant ça, je suis d'abord à Kaïmoué. Immigration pour me. Là, je mettais sous Guatemala. Je tourne, je prends route. Immigration pour me, je mettais Mexico. Je prends mon papier à dire pour ça. Je suis 30 jours pour ça dans le pays. Et puis, je prends route à Malais dans la frontière. Je suis depuis mardi passé. Je suis arrivé mardi à samedi, je suis arrivé à l'élève. Je suis arrivé en prison. Je vais te faire un dossier pour moi. Je prends 10 doigts. Je prends 10 doigts, je prends une photo de ma famille. Je prends une photo de tout le monde. Je fais signer tout le bagage. Mais pour quelle raison? Je vais te faire une autre prison. Hier soir, bientôt, on donne 10 heures du soir. Je fais nous connaître, c'est quand on finit en prison, on va mettre au caillon père et puis pour parler avec la famille, pour acheter des billets, pour pouvoir nous parler. Je fais nous connaître, c'est quand père, on va mener nous dans le milieu. Je mets un paquet de monde devant nous, tout ici sont là. Je mets nos avions, pas nous même famille, nous presque 50, plus que 50 familles. Si nous qui fait Chili, si nous qui fait Brésil. Yo pour nous remettre nous remettre nous non import yo vinn mettre nous Haïti là paraît nous paraît Haïti qui ça dirigeant Haïti en fait yo loyer $300 ba nous $300 ici pour nous prendre machine pas que yon agaimon qui pays ça n'a vivre là mais là même des haïtiens et ça m'a dit. Bon, m'pense nous tant de façon moun yo comprendre yo t'ap exprimer frustration yo. Prochain pa bon menti bagala arrête vous. Bagala vraiment senti cri, vraiment senti dit. Nan moment si là, même m'ap tande gen yon organisation là qui t'al parler avec mouche blanc pour t'es capable lagué 2-3 moun pour yo mais son lagué pépé. M'capable di son lagué bon cathédrale parce que moun sa hostile toujours gen papier déportation nan men yo. Yo lagué yo là pour yo capable alloué yon avocat ou comprendre pour capable gérer processus bagay immigration. Pour yo, li vraiment important pour nous tendre de façon dame ça lui même, l'état parler dans micro la voix de l'Amérique. On a le tendre. OK, d'accord. Eh bien, nous déjà fait longtemps là, me connais un peu de monde qui est monté à bord là. Jacques, excusez-moi si vous sous déjà là et nous va aller rapidement nous gars avec nous. Encore l'autre fois encore, nous en direct depuis Del Rio et nous gars avec nous madame Gerline Joseph qui est responsable Haitian Bridge Alliance. Faut ça me changer noir. Et puis, il y a tout le Chili
qui derrière là avec a fait base derrière puis mes camarades là tout encore. Alors Kaline, nous aujourd'hui nous avons une bonne nouvelle pour tes spectateurs là-bas de l'Amérique, c'est que nous nous sentons qui ça sent ça et qui ça sent ça fait sent ça les Cité del Rio quand même nous connaissons santé qui ça sent ça fait exactement. Bon, sans ça, c'est partenaire que nous gagnons sur terrain par Boïcite qui offre moun quelques heures de temps pour être capable de faire des détentes, pour être capable de jouer accès avec famille, pour être capable de continuer voyage là. Et comme nous connaissons, Boïcite n'a pas gagné un shelter côté moun capable faire de nuit. C'est une plus gros problème qui gagne. Alors c'est juste un côté pour y passer, pour y capable jouer nos bagages, pour y manger, pour y capable jouer un changement d'habit. Si gagne moun qui est en dégagé, fonti bien pour capable continuer aller soit dans Saint Antonio ou bien Houston côté nous a voyer yo pour capable acheter billet d'avion pour y aller joindre famille yo. Alors on dit tes spectateurs là-bas de l'Amérique yo, c'est un groupe haïtien que immigration ou bien service custom administration pour les gens humanitaires yo quitté entrer dans pays même là pas de document légal, c'est ça? Alors, ça que nous sommes capables de dire, c'est la bataille que nous avons bataillé depuis avant hier, que nous avons demandé pour nous faire une protection. Et c'est une protection minime parce que nous avons lagué quelques grains de monde, mais nous avons déporté en pile de monde. Alors, nous n'avons pas voulu pour nous prendre nous avons quelques monde avec nous là, que nous bataillons en pile, fait nous laguer. Nous avons une bataille amère pour nous pousser l'administration pour faire laguer, pour nous pas dire que ces frontières là qui sont ouvertes pour tout le monde venir. Parce que y a lagué quelques monde, mais en pile de monde, c'est déporté à déporté. Alors côté nous y'a kounya nan Del Rio, la relé Valverde Coalition qui fait partenariat avec Haitian Bridge Alliance pour haïtiens pour bail un petit séjour pour moun yo capable continuer à aller joindre famille. Donc mais c'est moun sa qui joindre sa dans les autorités autorisées entrer dans pays, c'est pour raison humanitaire. Est-ce que c'est tout monde qui qualifié qui est moun qui normalement éligible pour rentrer dans pays que choisi ou sélectionné n'ta ka dit. Pour yo surtout garder moun qui est plus vulnérable. Mais c'est pas une parole humanitaire que bah yo lagé sous déportation. Chaque monde qui lagé là, yo lagé avec une date pour yo présenter tête yo bay immigration pour yo capable continuer processus là, c'est que yo pral besoin un avocat qui pour travailler sur dossier pour yo. On veut clarifier pour monde qui là yo que nous bataillons pile fait yo lagé avec monde qui attendait yo que c'est pas parole humanitaire ça nous mandé pour yo bay protection humanitaire là, c'est pas lui même yo bay yo lagé monde ça yo sous déportation avec papier déportation dans mais yo ça qui veut dire yo gagne date pour y aller ouais au officier immigration yo gagne pour y aller devant juge immigration pour yo capable continuer processus immigratoire là. Ça que pompa yo Haitian Bridge Alliance a fait c'est que yo pral contacter nous pral mettez-vous en contact avec un avocat qui est capable d'aider gratuitement pour être capable de jouer un service. Nous-mêmes dans Haitian Bridge Alliance, dans le pont haïtien, nous baillons toute information, tout service gratis parce que nous connaissons la nécessité de nous connaissons ce qui se passe et bon Dieu, mettez-nous là pour nous faire ça. Et pour une raison pour qualifier, il faut qu'on parle aux États-Unis qui sont censés apporter garantie ou bien qui sont d'accord pour les héberger ou pour payer le transport pour aller en destination côté Monsaïa. Bon, c'est pas une qualification que lié, mais une critère que yo mandé pour yo connait ki bo pralé. C'est ça qui fait parce que faut ba ou adresse, faut capable prendre ki bo yé, gen en pile là-dedans yo que yo capable ba yo l'autre restriction toujours. C'est pas une qualification que lié, mais c'est un critère nan, une critère côté que pour yo capable laguer ou bien voyer aller. C'est pas une nan raison qui fait ce que yo décider si pour yo voyer aller ou bien si pour yo déporter, mais c'est une critère, faut qu'on gagne un côté pour aller parce que nous connaît dans pays ici, gen moun k'ap dormi en bas nan tente même gens avec tout l'autre côté, gal yo pa gen moyen pour yo supporter moun yo nan sans sa yo. Donc pour qu'on ait groupe ça nous capable dit ou bon chiffre plus ou moins quantité moun qui bénéficier de main lever ça que autorité fait un bon chiffre plus ou moins. Bon non main lever autorité fait un jodi a nous connait gen à peu près 3300 moun. Nous te gen matin, nous gen après-midi, nous gen ça c'est dernier groupe moun que yo fait nous faveur que yo lagué et n'a continuer bataille pour si yo te capable lagué plus moun toujours parce que condition que gens y a traité frère nous action nous yo li pas possible. Égal nous a continué bataille mais nous voulons faire appel la passer bien avec communauté haïtienne que au Chili que au Brésil que au Mbapon dans Akuna que au Tijuana que au Tapachula et frontière la pas ouvert
deux trois graines moun nou gen avec nous là yo c'est trois deux trois graines moun nou jwenn une chance pour nous mettre dehors mais c'est pas ouvert by des nouvelles portes pour mon entrée c'est pas frontière là qui ouvre parce que gouvernement catégoriquement dit nous comme ça que y a continué déportation hier yo fait déportation avec trois avions aller jodi a trois avions aller nous connaît semaine ça seulement nous gen plus que 10 avions qui gen temps disponible pour mener mon aller Haïti ça inclut femme enceinte petit bébé tout ça égal nous dit bon Dieu merci pour frère nous à ce nous qui a salué nous et bien mes amis moi m'a dit tout pour merci en pile c'était depuis nous dans Del Rio nous rappelons que immigration fait quitter un petit groupe monde rentrer dans pays là mais c'est pour raison des pas raison humanitaire c'est monde qui va continuer rester yo ba adresse pour officier pour attendre yo et les rendez-vous pour retourner immigration encore pour connaître si ou non il y a capable rester aux États-Unis mais un critère pour être pour bénéficier ça et c'est Galin se dit nous c'est près de 300 monde et bien c'est pour gon adresse un monde qui sponsor et tout le monde qui vient là qui vient dans centre là tout le monde ça gain parents aux États-Unis qui paye ticket pour yo aller que ce soit c'est New York que ce soit c'est Miami gien moun ka prete dans Texas à tout gien moun ki pa aller dans Boston et gien moun ki pa aller dans l'autre côté aux États-Unis m'ap salye tout le monde et m'ap di nou bonne écoute parce que tout à l'heure ça Jacques Bézier va venir à programme radio sur télévision bye bye tout le monde en tout cas ti messieurs si c'est là nous te vle rive avec pays d'Haïti c'est dans dernier bout là rive là m'pa quoi vous comprenez pour bagaille ou ka fait comme ça après 21e siècle gien quelques bagaille faut nous changer fizi nous épaules pour nous capable avancer avec pays parce que genre de humiliation ça yo moi j'aime pas bon menti ça fait mal jouk nan zo mais pendant ce temps pas bon menti avec la voix de l'Amérique ils font gros travail dans moment déportation ça moi voyant pile big up pour lui parce que à l'aide de lui même gien quelques images qui rive joindre nous la pas bon menti mon cher son bel travail que nous féliciter il faut que nous baï moun lan sac pour lui bagaille vraiment drôle bagayo vraiment en pile zanmi ta Haiti media on yo nous ouais nan ki façon moun sa yo même y a konnen nan déportation massive que gouvernement Joe Biden li même li fait journée jodi a et m pa bon menti gen en pile l'autre moun toujours là qui sous liste pour ta déporter malgré m konnen gen en pile gros chabrak aux États-Unis qui mandé avec Joe Biden font tempo font relax comprendre partout comprendre action tout ça fait déportation parce que bagayo yo gravement grave nan pays d'Haïti mes amis pas oublier c'est une entre la voix information depuis bagala yon côté gen information yon côté et même si poser porter information vini là pour me la gueule nan cut off l'estomac ou pas avec Moringa Haiti gen deux produits gen zouti gen ban gen zouti a qui c'est yon pomade fait avec environ 8 produits organiques qui là pour allonger tol puis nous détirer le ballon forme qui vraiment normal de 3 à 5 cm d'allongement gros c'est pas parler même moi j'aime pas bon mentir de vous passer régulièrement deux fois par jour ou si poser joindre résultat dans moins que 2 mois et en même temps qui bon nan qui sont comprimés qui fait avec 13 plantes naturelles qui là pour augmenter libido fane 5 con qui pense à qui pote non bec à terre 3 comprimés simplement chaque jour nan moins ce qui on semaine nan moins ce qui on semaine alors ou après qui va les résultats la pote nan foyer relé dans 37 55 46 06 pour placer commande et si toutefois ou pas dans pays d'Haïti ou capable relé dans 514 886 97 76 et pas oublier application Cezap Deal c'est une application qui fait spécialement pour même qui dans affaire business ou gon bagay la kay ou ta remen vendi avec un autre monde ou gon pa une clientèle fin download application ça fait photo produit à poster et pour après comment la vendre coup et pas chaud parce que formule lan simple avec Zap ou pas fouti prend vie tap nan men mouché mal fecté et pas oublier application M&M Cosmetics c'est un magasin en ligne qui vend tout produit cosmétique ou connaît qui gen sous bout té béni ça yo vend en gros excessif yo vend en détail ou jwenn bagay pour faire timé corps pour à l'aise ou une crème pour kembe pour en bonne santé pour kembe pour sans tache ou bien tu mets tout pour me capable dire safran pour faire pour afin les nègres main pour envie bay mousse là et en même temps gonne une face pour nettoyer visage ou produit pour éviter bouche ou pété pour le paraître sèche avec un paquet l'autre bagaille encore qui gagne dans M&M cosmétique à toi crème masse la caille moun sa ou même yo vend dans magasin si là relé dans 707 596 37 66 yo va shipping tout côté dans États-Unis et yo sous Instagram sous Facebook gain 10% rabais y a pour fou capable écrire tout dans adresse là M&M cosmétique 21 à commercial gmail.com. M&M Cosmetics, c'est le royaume de la beauté humaine.
Mais pas comme devant, mais c'est bien, j'ai regardé pour elle après, pas plus.
Pas vraiment triste.
équipe ça c'est premier bus là. Et dans retourner à session deuxième équipe donc nous là n'a pas tenu le bus là retourner à session deuxième équipe donc nous là n'a pas tenu. Merci à tout le monde qui a regardé live là. Merci à tout le monde qui a regardé live là. Actuellement, la notice qui non, pas filmo, va inquiéter, pas filmo, pas filmo. Non, pas filmo, va inquiéter, pas filmo, pas filmo. Yo, Merci beaucoup. Donc, c'est une frontalière qui est sous frontière entre États-Unis avec Mexique. Donc, les mêmes côtés, je vais regarder des domaines là sont murs qui là. C'est, on ne pas dire les murs, mais son clôture qui là, je vais regarder là. Et c'est en dedans clôture ça, c'est là tout haïtien. C'est là haïtien qui devine essayer d'entrer. Et quelle que soit la raison, et bien, c'est là que haïtien ça yo y est là qu'on y a. Si nous regardons dans le fond, dans le fond, dans le fond, dans le fond, dans le combat qui est un combat qui gris, c'est exactement yon. C'est pour ça. C'est pour ça que nous-mêmes nous avons regardé quand nous avons eu un peu de temps. C'est pour ça que c'est là que nous avons eu tout. Mais les derniers moments, l'autorité prend d'autres mesures, elle prend d'autres décisions et elle ferme qu'on y a. Et port d'entrée qui était là côté que journaliste normalement nous décon passer pour nous aller et pour nous aller à faire vidéo que mon était décon ouais pour affirmer les m'a venir à messier ouais dans qui mesure me capable arriver me capable arriver dans zone ça pour me capable parler avec exactement et situation ça. Et mais les m'rivé bon ça pas mordé j'ai pour te mordé moi les m'rivé sous frontière dit moi non faut nous et nous pas rentrer parce que et pour aller rentrer donc yo viré dans l'autre zone et c'est dans l'autre zone là m'rivé là et c'est dans l'autre zone m'rivé
Bon, m'a dit nous carrément, bon, pour quelque chose raison, maintenant dans un cortège qui a un paquet de machines officielles là-dedans, machines et police d'État, et maintenant mi-temps, et puis il a fait toute machine entrée, m'a avancé, m'a entré tout. Et les montrer les mains devant, ils bloquent parce que machine il y a son machine qui ont là, on plaque, c'est pas plaque Texas, c'est pas machine. Donc les hommes demi identifié, moi présenté carte de presse, moi. Donc là dit, continuez, bon bagage, continuez. Mais dans les mains dans bout du à qu'on y a un côté m'river tout bon, des besoin river à qu'on y a, on bande soldat mexicain qui là et qui paraît et qui m'a dit, qu'on doit pas là. On dit bon, ma privé là, on va faire parler avec mon yo haïtien, mexicain, etc. Et puis monsieur dit bon, on va même doit arriver quand on arriver là. Et puis bon, les dit bon, demander autorisation pour bon, l'autre chef bon. Qu'est-ce qu'on a demandé, ça le fait, ils font effort mais il pas mordi. Je suis assuré que l'autre chef qui vient, l'autre chef a dit bon, en principe on pas supposer là du tout, on pas faire travail qu'on veut faire parce qu'on pas parler, on pas parler avec haïtien. Donc, il dit, mais bon, retournez quand on sort ici, mon cher, nous faut, merci beaucoup, nous bien content pour TV, nous faut un article quand même, mais il va marcher. Alors, ça, c'est une nouvelle aujourd'hui, là. Pendant que j'étais là, dans l'île, dans devinez qui est-ce, moi, ouais? Secrétaire d'État ou bien ministre de sécurité intérieure américain. Vraiment, il était dans lui-même, il vient de faire un constat, lui-même avec propre, pour venir voir lui-même, même situation. Et plusieurs milliers, plus passé 10 000 en fait actuellement. Selon ce chiffre-là, il y a un chiffre qui dit 12, qui dit 14, qui dit 15 000. En tout cas, Mounsayo, il y a là. Et là, il y a même, il vient autant pour demander ce qui passe. Donc lui-même, il vient constater lui-même et il fait constat, il regarde. Et pendant que nous avons été bloqués, nous avons empêché que nous passions. Donc il fait constat et il finit de garder bien, il regarde lui-même. Bon, constater grand salwaya et conclusion que lui fait avec salwaya. Donc il quittait et il retournait et était au point de presse pour le tabac. Bon, malheureusement, moi pas de cal dans point de presse et j'étais grand l'heure pour arriver. Or moi-même côté me sorti pour arriver là, m'a 2h30. Donc le temps pour arriver, donc ce service là, tu fais une démarche pour être capable aller dans point de presse. Bon, il était trop tard, pas que dans point de presse. Donc, mais alors, secrétaire d'État ou bien encore ministre et sécurité intérieure américain, lui-même, il était présent et il était là pour l'Italie, regarder qui vient s'appeler et il dit ouais, constat, et il fait constat. Alors, visite ça a fait tout, dans un moment grand pile critique, tout qu'a fait sous l'administration, hein, le fait que, pour façon que yo gérer dossier et façon que peut-être yo tété haïtien gagne puis nous qui dit son traitement deux poids deux mesures parce que était quoi que gien l'autre citoyen l'autre pays qui reçoit un traitement différent par rapport avec immigrant haïtien qui vit sur frontière. Donc donc c'est ça pour être dans les. En attendant que programme administration mette sur pied, programme déportation l'a continué, je dis encore gain avion encore cap débarquer en Haïti et cap mener avec yo immigrants qui étaient il y a des monde qui est-ce que problème non qui poser est-ce que monde c'est monde qui allait retourner en Haïti volontairement ou bien est-ce que c'est par la force mais les dernières déclarations que monde qui retournait déjà yo et yo fait mais yo dit que c'est pas tomber volontaire parce que eux même c'est pas d'objectif yo gain tout et l'autre démarche rappelez côté mi là qu'on y a des dom dans là m'a quitté un petit coup d'œil et Michel n'a pas gardé là son en clôture donc c'est lui qui par l'autre bord ces frontières là lié et c'est là que on gain et soldats mexicains et américains. Alors soldats américains c'est surtout soldats patrol et custom ça les autorités la douane. C'est eux-mêmes qui contre les frontières, donc c'est eux-mêmes qui l'autre bord clôture ça là. Bon, peut-être pendant la parole là, au cas où on fait l'activité, au cas où l'autre monde qui a passé, au cas où une machine qui a passé, donc c'est mon justement qui peut le faire. Parallèlement avec la déportation, il y a une action qui prend. Action qui prend, il y a un groupe parlementaire américain qui écrit et administration et qui mandé pour fonds camper sur la déportation.
et sous déportation. Je demande pour l'administration font camper sous déportation parce que moment l'état semble que le pas propice et que c'est même demande ça tout que ambassadeur Haïti à Washington et Boutier de Mont t'ai fait et Homeland Security côté demander Haïti a traversé un moment très difficile et mettre assez sur clou là vous voyez tout le monde ça retourner encore dans le pays là et bien ou pas la pas mon dépôt pas facile pour le pays là donc si vous êtes font camper temporairement en attendant que permettre que le pays souffle un petit peu bien préparer pour qu'il soit capable et commencer à accepter et retour immigrant immigrant ça et le ministre lui-même lui dit lui-même lui constater lui ouais que ça fait son bail qui fait le mal en pile le fait que Jean Salouéa et que lui demander pour tout acteur yo, tout le monde mettre ensemble travailler ensemble pour permettre que pour gagner une meilleure condition dans le pays pour que et haïtien pas besoin d'enlever pour partir pour aller chercher la vie meilleure l'autre côté en fait c'était même constat tout gain des matchs tout que ministre affaires étrangères là docteur Claude Joseph fait avec que il parle avec ministre affaires étrangères mexicain sous dossier ça que de demander pour une amélioration qui fait mais autorité américaine a une déclaration que responsable et border patrol dans zone là il fait hier le même dit que lui-même et il a appliqué la loi c'est de mission par eux, c'est appliquer la loi États-Unis et c'est pour les frontières pays et contrôler les monde et pas qu'on s'apprend qu'à inventer des règlements, des lois, des façons de venir et que tout le monde qui a cherché à entrer dans le pays illégalement, eh bien, il y a plein de choses, eh bien, il n'y a pas de l'autre barrière pour faire ces non. Mais il dit en même temps tout, il y a gardé l'autre barrière, il y a travaillé avec des partenaires et régionaux, c'est-à-dire que les pays qui tout près à là, tant que pays, que ce soit le Mexique par exemple, ou bien l'autre pays qui est en Amérique centrale ou bien en Amérique du Sud là, côté que puis fort dans immigrants qui viennent parce que n'importe c'est pas seulement haïtiens oui immigrants qui veulent se frontière qui fait autre là qui veulent se frontière et bien immigrants ça eux même ils ont déjà été résidents d'un côté mais si ils résident d'un côté et bien les mêmes l'état plus facile pour eux même ils peuvent retourner moun ça dans pays de résidence c'est un côté de résider et alors que loi américaine dit que si vous venez vous traversez frontière vous retournez dans pays d'origine. Donc c'est ça que a fait Kounia et l'opération a continué. Et les dernières nouvelles nous montrent que pas aucun signe qui montre que l'administration pour le moment est campé sous opération déportation. Donc hier a commencé, jeudi encore il a continué et demain encore il a continué encore. Et même des possibilités pour multiplier et opération, ça veut dire que utiliser d'autres ports. Et en Haïti, particulièrement en plus de port et aéroport international et Maïgatea, donc aéroport international Port-au-Prince, il t'a semblé que vous voulez utiliser aéroport international Cap-Haïtien lui-même qui était accueilli quelques avions. Mais puis fort avion ça, il est sorti et dans son bois, il est sorti même, il est sorti dans San Antonio, il est sorti dans Laredo, au Texas qui pas trop loin à côté, mais que m'a parlé avec nous là. Donc pour le moment, activité commerciale dans zone ça là, pour Kounia là, frontière, les fermer jusqu'à nouvel ordre. Les fermer en attendant que les responsables fassent face à la situation que vous avez en main, parce que vous considérez que vous avez une sorte de crise humanitaire. Donc, vous fermez les frontières et vous cherchez pour chercher l'autre ressource pour venir aider d'abord. Et parler à mon ça, parler avec eux, mais c'est bon parler qui veut, parce que côté mon là, mon Dieu, il y a un seul objectif. C'est les États-Unis qui sont en tête. Et il y a des gens même qui disent que le fait que les autorités ont arrêté, ils pensent que tu as voulu devant un tribunal, devant ce qui n'a pas le temps de eux, mais malheureusement, ouais, ce n'est pas ça qui fait. Donc nous, là, toujours, nous sommes frontières, nous sommes dans la zone de Rio, et de Rio, c'est exactement à côté, nous avons regardé des là. C'est un muraille qui est là, c'est un gros clôture qui est là, et pas derrière l'autre bord clôture. Puis un petit peu peut-être à 3 minutes de côté Niela Kouniala, gain côté haïtien ou bien encore l'autre immigrant, c'est là où stationné. Nous te ouais tout à diligence qu'a fait tout, gain camion qu'a vinn là, qu'a porté et produits première nécessité, gain qu'a porté manger, par exemple un gros camion qu'a débarqué, qu'a passé la Kouniala, un monsieur camion ça c'est bah il a porté venir, le saut un gros camion sanitation qui vinn là tout à l'heure là, qui saut nettoyer parce que nous connais mettre toilettes. Pour Mounio. Les camions sont venus, ils ont fait nettoyage. Donc, il y a tout un
on dépense qu'a fait tout parallèlement pour permettre que les monde qui là yo yo je nous traitement même si c'est au minimum même si c'est manger au bail seulement même si dormir en monde qui doit pas faire trop accommoder trop bail avec lui mais quand même yo je nous bail quand même moi là m'a payé viron là m'a regardé moi qui ça que me faire gagner avec moi là quelques collègues et collègues de presse et m'a dit nous là moi en pile et si m'te ka vie caméra antigen pour nous nous te ka ouais et gagne en pile machine police qui censé là et bon c'est une zone qui est son zone et tampon lié tout son zone et stratégique son zone frontalière donc c'est normal on va prendre en pile police là tout et police nous là on mélange de police il police qui c'est police mexicain il police qui c'est police et américain qui là et qui ont tout un seul objectif très certainement et ouais qui sont capables de résoudre problème qui gagne là ça qui en face là pour journée jeudi à là et m'a payé quitter nous peut-être avant journée finie m'a font retourner venir font parler avec nous encore et très certainement pour nous qui ça qui cap dominer actualité à Bosia est-ce que un bagage qui tombait pour moi est-ce que moi joindre quelqu'un que me capable avec yo bon nous va laisser quand même et en Port-au-Prince nous connaît que nous gain collaboration et Jacques et Mathieu Dominé qui se travaille sur même dossier ça parce que je dis à là et dans quelques heures et capable bien a bien un groupe immigrant cap arrivé. Donc, c'est vraiment la couverture et on a entendu des déclarations que l'immigrant a fait dans la presse, qui a parlé de PIPC, côté de souci, qui a fait souci, côté de souci, pour arriver côté de Rivière. Mais on a remarqué dans le monde qui était là, c'était vraiment des jeunes. C'est des jeunes monde qui veulent faire voyage et qui veulent côté de Rivière. Mais malheureusement, pour beaucoup qui veulent déjà, eh bien, États-Unis prennent une décision pour les refouler dans le pays d'origine. Donc, les groupes haïtiens qui vivent. Donc, chaque haïtien, d'après même sa directeur, M. Bonheur, dit lui-même, il dit chaque haïtien qui est entré hier, chaque recevoir 10 000 gouttes. Vous ne dites pas rien, mais 10 000 gouttes, c'est de quoi pour au moins taper le transport, puis retourner côté au souci et même transporter à mettre dans la station. Pour être capable de prendre machine pour aller dans le pays côté des sociétés. Et est-ce que ça continue? Parce que je dis à ces organisations nationales de migration, c'est ONM qui peut prendre le contrôle là dans l'OIM. Donc c'est Haïtien qui peut commencer à continuer l'opération. Voilà. Depuis Del Rio, au Texas, sur frontière et Mexique partagée avec les États-Unis. Moi, c'est Jean-Baptiste qui a salué nous et qui a remercié nous. Et merci pour patience, nous. Merci que, bon, pour merci d'être, nous avons fait un peu de temps pour venir. Moi, là. Et n'importe qui s'est tombé là, tout. Passez une très bonne journée et peut-être plus tard, nous avons une chance encore pour nous avec Jacques Neuvelizier. Lui-même qui a gagné pour le dire, nous, ça que l'a présenté dans le journal Radio sur télévision. Et très probablement, tout va nous un avant-goût sur Haïti qui est déjà déporté et qui est retourné en Haïti. Ou bon avant-goût sur ça qui fait tout. Et moi-même pendant avant après journal là avant d'entendre bon moi-même m'a capable et d'un bagarre avec nous dire nous qui ça que bien et qui ça que vous connaît sur les dernières informations mais moi dis nous un bagarre qui est important dans journée jeudi à ma journée là c'est visite ministre et sécurité intérieure américain Alejandro Mayorkas fait dans exactement dans centre ça à côté haïtien ou bien étranger monde qui a cherché entre aux États-Unis et sans document légal en côté là et là on y a là mais il vient ouais il fait consali même vient garder à propre chez et c'est certainement qu'il va faire et président Joe Biden un rapport sur ça ouais et en plus de ça il y a un membre congrès qui écrit à l'administration pour demander font camper sur et déportation haïtien pour qu'on y là parce que bah pas bon en Haïti donc restez pour nous entendre seulement qui répond que l'administration a bail. Moi, c'est Jean-Baptiste Cap, salut nous. Bye bye, n'a pas encore.